Je m'appelle José Gastardi. J'ai commencé à peindre début des années 1970. Quand j'ai été nommé professeur d'éducation physique, je me suis retrouvé à Vernon dans l'Eure. J'ai fait une grande diagonale, puisque Provence et Normandie sont quand même assez opposées. J'ai eu peur de perdre un petit peu ce avec quoi j'arrivais, mon bagage. À l'époque, j'ai eu besoin de lancer un cri, donc je n'avais pas de métier de peintre. Je crois que je trimballais en moi un monde de couleurs. Tout enfant, je me souviens, je me perdais dans ces cieux bleus, bleus de nuit ou des bleus très purs. Je devais avoir 4 ans et demi, peut-être, enfin entre 4 et 5 ans. J'ai eu un choc terrible avec les Van Gogh. Et vraiment, mais presque à tomber par terre, quoi. Ça m'a rentré dedans. J'avais aussi, où j'habitais, un peintre artisan en bâtiment qui habitait juste en dessous de chez moi. Il avait des bacs entiers de pigments. Je voyais tous ces orangés, ces bleus, ces jaunes, ces verts. Et c'était un peu un éblouissement. Je suis né dans un lieu où il y avait beaucoup de fleurs. J'étais aussi beaucoup dans le végétal. Et c'est ça qui m'a aidé à essayer de construire quelque chose qui ressemble à de la peinture, en pouvant enfin lancer ce cri que j'avais à lancer, parce que je me sentais un peu déraciné, bien malgré moi, même si avec le temps, je ne le regrette pas. Comme j'ai eu la chance de rencontrer mon épouse, donc qui, elle, c'était son métier, elle a utilisé des tas de techniques, donc j'avais autour de moi tout un matériel qui était varié. C'est l'huile qui a été privilégiée. Et un jour est arrivée la rupture, parce que l'huile, elle est fabuleuse, mais elle est contraignante aussi. Donc je me suis mis à l'acrylique. L'acrylique n'était pas encore très trop admise. Il y avait un côté un peu péjoratif chez certains. Ma première période, elle est brute. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de formation particulière et qui peint ce qu'il ressent. Avec des couleurs très, très fortes, des formes souvent assez tourmentées, parce que j'avais beaucoup d'angoisse à libérer, avec des aspects très naïfs, voire maladroits, mais c'est ça qui faisait aussi sa force. Quand je suis revenu dans ma région, j'ai eu un besoin peut-être d'apaisement et de dépouillement des toiles, et je suis allé vers une peinture plus grands aplats. Je cherchais un espace un peu plus d'infini, et je suis tombé évidemment vers des lignes droites, des formes très, très épurées, et progressivement, alors qu'au début j'avais de tout petits personnages qui étaient dans ces espaces-là, ils sont tombés, il n'y avait plus que l'espace que je travaillais. Ça a été ma deuxième période, plutôt à connotation géométrique, bien que je pense que dans ma peinture, même dans cet aspect géométrique, il y a toujours une force du corps. Donc les géométriques pures, je pense que c'est quelque chose qu'ils n'accepteraient peut-être pas. À force de chercher un peu de l'infini, de déborder de ces toiles, de connoter l'au-delà, tu sais plus trop ce qu'il y a aussi, parce que malgré tout, il y a la terre, quoi. Et pour moi, en tout cas, elle comptait. Et ces formes peut-être un peu pures, j'avais besoin de les éclater. Comme j'avais besoin, pour mes formes pures, de caches, pour pas salir, les caches, je ne sais pas pourquoi, je ne les ai pas jetées. Et puis, un jour, en confrontant mes caches, bon, ça m'a pas été donné comme ça, mais en les confrontant, les morcelant, j'ai trouvé un chemin. C'est pour ça que j'en suis arrivé à toutes ces périodes de collage où il y a un travail, il y a quelque chose qui a été de l'ordre du don, il y a quelque chose qui m'a été donné. Le problème un peu de la création, c'est qu'il faut à peu près, il faut savoir à peu près où on va, mais si on sait trop où on va, je ne suis pas convaincu que l'on crée toujours. J'aime bien parfois me retrouver un peu devant presque une inconnue. Alors, ce n'est pas tout à fait une inconnue maintenant, mais devant quelque chose où j'ai plusieurs voies possibles. Et puis parfois, il va falloir que, après coup, je retouche un tout petit peu. Voilà, c'est tout ce travail-là. Mais pour moi, il n'y a que le résultat qui compte. Dans les séries de collages, par exemple, ça s'est construit au fur et à mesure. Souvent, je n'ai pas dit je vais faire ça. Au début, tu construis, ça ne ressemble à rien. Tu te dis, bon, tout le monde peut le faire, ou tout le monde peut. Et à un moment, il y a quelque chose qui s'impose. Tu te dis, là, il y a le chemin que je veux parcourir. Et ça, c'est un phénomène qui est très, 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 très curieux. Pour moi, la couleur, elle existe et elle n'existe pas. Bon, déjà, elle est liée à la lumière, et puis elle est liée aussi à sa qualité, à une matière, et elle est liée
à la confrontation avec les autres couleurs. Ces derniers temps, je suis allé plutôt vers des formats de type portrait en hauteur, mais ça c'est parce que je cherchais un petit peu une sorte d'élévation. Vu la façon dont je m'inscris dans la vie et ce que je recherche, la peinture a pris de grosses parts, mais j'ai besoin aussi de mon tai chi, j'ai besoin de mes bains de mer, parce que ça fait un tout. Je crois que notre devoir sur Terre, c'est aussi d'essayer d'améliorer notre vie, qu'il ne faut rien négliger. La peinture, c'est aussi une sorte de méditation, c'est aussi un travail sur le corps, et après il y a un rendu sur le corps, par exemple par le geste. Mais là, ce n'est pas le geste pour le geste.